Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on se retrouve sur Total War Warhammer 2. On va commencer par, avant de terminer le tour, faire un peu de gestion. J'avais un tout petit peu d'argent encore à dépenser. Pour l'instant on attend. Aux sentinelles grises, j'aimerais quand même faire... On va préparer des défenses ici certainement, mais également peut-être faire un peu d'argent si je peux. Reconstruire déjà. Voilà, je peux pas. Dessus, non. Si. D'abord, faudra attendre. Ok. Rébellion imminente, bah écoutez. Faire avec. Alors, on nous demande la paix. À la fin de la dernière vidéo, j'avais pas encore pu raser parce que j'avais pillé avant, donc on va refuser le traité pour l'instant. On l'acceptera quand on pourra leur casser la ville, d'abord. Voilà les rebelles. Pour un hôtel des anciens, pour cette quête-là, la masse. Unis contre nous. Exoatl contre Tyrannoc. Tiens, tiens. Oh d'accord, mais ils sont très loin. Attention quand même aux navires qui pourraient arriver et attaquer... Attaquer ici ou là, ou là. On va sans doute renforcer de toute façon ces positions-là. Je pense. Alors, qui a pris un niveau? Waral. Waral, on va commencer à le monter. C'est le vétéran scarifié qui est le bras droit de Maz dans son armée. On va monter exécuteur de l'ordre. On est encore plus dangereux. Maz va aller vers Pawax, comme on avait prévu de le faire, tout en se renforçant, il n'y a pas d'urgence. Parce qu'on avait eu quand même pas mal de blessures sur nos Stégadons notamment. Ils avaient pris cher. Alors ils ont récupéré une... Ouais, la garnison, mais... Je peux le faire en auto sans problème, cette fois-ci. Et on va raser. Alors le bouclier magique, ça nous donne quoi comme capacité? Résistance ultime. Pendant 17 secondes. Ouais. Pas sûr que je vais le mettre à quelqu'un, honnêtement. Peut-être que c'est mieux que ça. Défense en mêlée plus 5 et résistance au projectile 30%. C'est quand même une capacité qu'il faut lancer, quoi. Donc, dire que 17 secondes. Là, j'ai la résistance au projectile qui reste tout le temps. Je préfère la garder. Je préfère la garder. Ok, on va aller vers l'armée qui se trouve là. Par contre, on va pas trop s'approcher avec Okanalak, on va laisser la pointe du Rogri pour l'instant. J'aurais bien envie d'aller explorer ce qui se trouve dans ces endroits-là. Cargo mortel. Est-ce que je risque de perdre un seigneur qui de toute façon n'est pas expérimenté? On va aller voir. Abandonner le navire, une épave très chargée commence à sombrer au moment où votre équipage de lourdeaux manque de précaution lors du transfert des cargaisons. Alors, armes et armure. Votre armée sera plus performante au combat. Tonneaux de rhum, l'armée sera plus performante en campagne. On va prendre les tonneaux de rhum. Astromancien. Plaques anciennes générées par tous les bâtiments, plus 5% dans toute la faction. Bah c'est bien. Ah, c'est un disciple carrément. Waouh. Bien fait d'aller voir. Hein. Après, on aurait peut-être pu avoir un combat aussi, mais... Allez, assigner à Mazdamundi, hein, je veux vraiment pas le perdre, cet astromancien, donc on va mettre ça sur Monseigneur. Légendaire. On a un autre endroit à aller voir comme ça, il y a ici. Mais là on est près des ennemis, donc j'ai pas hyper envie. Je crois qu'on va négocier la paix maintenant. Je vous avais dit que je voulais pas aller plus au nord. On va demander un paiement. Chance de succès haute, bien. On va demander le max. Yes. C'est lucratif, c'est bien. Alors on va continuer à travailler avec Claxlan. Fédération, c'est pas encore tout de suite, mais ça va monter encore jusqu'à 59. Faudrait que j'aille les aider au niveau de la guerre en fait. Ça montrait nos relations. Donc dès que Maz aura fini avec les vipères bleues, on va arrêter, on va essayer de l'envoyer peut-être vers la faction ici. C'est un peu loin. On a ici une île mystérieuse. On va aller fouiller ça. Hein. En cours. Alors, Mazdamundi, on continue à se régénérer. Pas avancer bien loin ici, tiens. Comment ça se fait que j'avance si peu en fait? « 50% de portée de déplacement. » Ah mais j'ai déjà avancé la moitié en fait. Et du tour. Je bête. Je crois que c'est bon. On pourrait relancer ce rite là pour obtenir de l'expérience. Franchement pourquoi pas. Alors, Exoatl, encore 3 tours. Sentinelle grise, on est en train de construire. Ce que je veux, c'est ça un peu partout, hein, ici au nord. On va essayer de consolider. Mais je pourrais faire d'autres bâtiments, hein, un qui est déjà libre ici. Ça pourrait être des revenus ou ça pourrait être ça. Ce sera des revenus aussi plus importants même. Un produit commercial. Skegi, toujours rien de spécial à faire. Et de la vipère. Mal tout ça. On va rester là. Mon héros, il me semble que je l'oublie un peu trop souvent. Non, non, je l'ai plus bougé, on va le ramener. On va le ramener... ici au sud. Je vais le faire attaquer l'armée rebelle pour qu'il prenne un peu d'XP. Alors ils veulent qu'on rejoigne la guerre contre Xalnoapek, on va accepter, mais on va faire une contre-proposition. Une alliance militaire. Contre-proposition, ils préfèrent un paiement de 600, on va accepter. On va avoir un ennemi commun, ça va augmenter encore nos relations. Mission envoyée, bibliothèque de pierre, capturer, occuper la colonie suivante, chambre des visions. Waouh! On aura 10 plaques anciennes seulement, honnêtement, allez franchement. J'en gagne 22 par tour. C'est hyper loin, on s'en tape un petit peu de cette mission. Pas la faire et puis c'est tout. Alors j'ai peut-être un petit peu trop traîné, du coup on a une armée ennemie qui s'est créée. Ce que je vais faire c'est qu'on va continuer quand même encore un peu à surconstituer, histoire d'être au max, plus ou moins. Je vais rester là parce qu'après on pourra bouger en une fois et attaquer. Reste là. Si en deux fois on devrait pouvoir attaquer, c'est bon. Faire un petit peu de vie, pas des masses. Ça devrait aller quand même, hein. Ok. J'ai 2600. Je pense qu'à Sentinelle Grise, on va également faire à Cildra d'Or, à Tor ici le bâtiment commercial. On fera les barrières de toute façon aussi. Pic du Macu, là c'est la province à l'ouest de l'Isme, c'est la côte des tempêtes, c'est à l'ouest. On a pas mal de possibilités. J'aurais bien augmenté ça parce qu'on pourra alors augmenter la croissance avec ce bâtiment-ci. Très bien. Rituel d'opposition terminé pour Nagaron. L'auterne, le rituel est terminé aussi. Pas grave, on a encore de l'avance. Mission envoyée. Peut-être que je voudrais vraiment bien essayer de la réussir parce que j'ai pas encore eu d'éclosion bénie. Ah, des tirailleurs skiing, zut. Je préférais quand même autre chose. Fouiller une colonie en ruine en quête de trésors. Il n'y a plus des masses hein, des colonies en ruine. Sens négative, zut. Allez là. On aurait pu mettre en mode marche auparavant, pleine vitesse. Bon. Là ça me sert plus à grand chose mais... D'accord, les pointillés, je vois ce que c'est maintenant, c'est ce qu'on pourrait gagner encore en portée ce tour-ci si on se mettait en mode pleine vitesse ou marche quand vous êtes sur la terre ferme, ok. Coût de construction moins 15%, on va prendre. Ici. Pic du Macu, on va augmenter la croissance mais pas dans ce bâtiment-ci, je préférais le faire là. Voilà. Et on va attaquer. On va attaquer, il n'y a pas de raison. Est-ce que je voulais attendre encore un tour pour que mon Stégadon soit au max? On peut faire comme ça. Ouh. Ok. Et ok. Bon, c'est des archers, mais pas les meilleurs archers du monde. Pas des troupes très fortes. Hein. On va faire un bélier. Et c'est tout. Quitte, on va le faire revenir encore par là. Si. On va être un peu limite. Là pour le tour prochain, pour attaquer. Ok, ils acceptent l'alliance militaire. Fédération, là il faudra voir, mais peut-être. Alors c'est très bien qu'on est sécurisé au nord parce que comme ça Kroq-Gar pourra venir défendre le prochain rituel, je pense. Je crois qu'à lui tout seul ça devrait aller si jamais il aura un peu son armée. On a du surplus financier pour le faire. Alors un rituel pour améliorer la vitesse et l'agilité des puissants guerriers saurus. Plus 15% de bonus de charge pour toutes les forces. Plus 10% de vitesse. On aura de la corruption vampirique. J'ai pas trop envie d'avoir encore plus de corruption. C'est le côté. Vos guerriers tombent par hasard sur un campement. Les déchets et l'attirail éparpillés suggèrent que les responsables sont sans doute partis à la hâte. Soudainement, un rugissement déchire les tympans. Quelque chose arrive. Pillez vite ce que vous pouvez avant de décamper. On va prendre les bonus de campagne. Collier de glyphes. Résistance ultime 9%. Je sais pas où ça se met exactement le collier, on va voir si on peut le mettre en plus des talismans, ça m'étonnerait. C'est peut-être un objet enchanté? Non. Alors, c'est pas terrible, 9%. On a clairement trouvé déjà mieux. C'est pas grave. Alors est-ce que je pourrais l'envoyer explorer une ruine? Je pense que ceci indique qu'il y a peut-être des trésors. Donc on va le faire pour la mission. Il me reste combien de temps? 14 tours. Il n'y a rien plus près, il y a ça. Mais là, vu l'effet visuel, je pense qu'on a plus de chances de trouver quelque chose. Ça va, en quelques tours on y sera. Allez, Kroq-Gar. On va les écraser. Du coup, je vais prendre l'XP. Bravoure, téméraire. Armure d'acier argenté, armure plus 10. Je ne sais pas. On va voir ça franchement pour lui. On va laisser également ça pour lui. Armure plus 10, c'est pas... on va laisser ainsi. Alors pourquoi il veut pas se déplacer? Il doit aller par là. Rébellion imminente à Skegi. Ah zut. C'était pas vraiment prévu. Mettre enlever l'imposition temporairement, et faire ce bâtiment-là. Deux tours il sera fait. On partira en positif. Alors je pense que j'avais une autre province qui n'était pas imposée. Et celle-ci, mais je suis encore à moins 9, on va pas imposer. De toute façon je pense pas que je vais gagner grand chose pour l'instant. Prends le niveau 2 ici. Et on attaque. Le manteau de plume, résistance à la magie 15%. Je vais pas le mettre. Ok, de quoi est-ce que j'ai besoin avec lui? Le prochain rituel, il en faudra 1060 des plaques, j'en ai 818. On y sera relativement vite. Encore un niveau, dis donc. Qu'est-ce qu'on va faire avec Kroq-Gar? Je me demande, je me pose vraiment la question. Tant qu'on n'est plus en guerre avec le Nord, on a le temps, je veux dire, on pourra revenir plus tard. Maintenant, une présence militaire ici permettrait d'éviter les problèmes de rébellion, donc je pense qu'on va devoir quand même le laisser là. Je vais au moins laisser le temps qu'il se reconstitue. Ou alors, je profite de ce moment de calme pour aller recruter pour lui dans les provinces du Sud. C'est ça que je vais faire. On va les recruter en local dans la province de l'Isme, de Lustrie. Et action rencontrer l'ordre des maîtres du savoir. Ah bah tout au sud. Ok. J'ai plus énormément de surplus financier, hein, ça m'embête. On va aller s'occuper ici de la ville. Équipement disponible, un bélier, c'est bon. Attention, la bannière n'est pas attribuée en fait l'étendard solaire. Bah, le plus souvent, ce sera plutôt notre ami ici qui sera au contact. Je vais le mettre à lui. Ok, nickel. Il y a beaucoup d'ennemis, mais ça va aller. A priori, je vais passer par là. Une, deux tours ici, c'est bien. On va attaquer par là. En restant un peu sur la gauche, s'il y a moyen. Alors, le bélier. Le bélier, puis on va mettre tous ceux qui ont des boucliers devant. C'est-à-dire lui. Quoi qu'on peut mettre... On va mettre d'abord quand même ceux qui vont monter. À droite et à gauche des portes. Je crois que là je pourrais en mettre que un là, un là, un là probablement. On va sans doute pas mal passer par le bas ici. On verra ce qu'il y a par là après. Erreur. J'ai encore été voir la gueule des caméléons là. Rôder peut se déplacer furtivement. Feu en déplacement. Et puis résistance au projectile 40%, tiens. D'accord, c'est Caméléon justement qui donne ça. C'est bien. Mazdamundi. Les Stégadon, on va les faire de façon attaquer par le bas, ça y a pas trop le choix. Scier. Bastiladon. Terradon, on va les faire passer par la gauche tranquillement. La cavalerie sera pas utile dans un premier temps. La laisse là. Toi, tu peux aller là. Ok. On est prêt? On commence. Gardien attaque ici. Là. 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 Ça c'est le plus important à lancer. Laisse filer. Suivi par les lanciers. Notre ami ici. Bastiladon. Et deux. Base. Je ferai sans doute monter aussi ceux-là après. La cavalerie pour l'instant je vais la laisser derrière. Va rentrer assez vite sans doute. Sauf qu'il faut laisser passer le bélier. Voilà Maz avec sa nouvelle monture. Afin d'empêcher le bélier de passer. Pas bien. Il vaut mieux de lancer une petite comète. Là où ça va faire bien mal. Ici par exemple. Et le bélier arrive. Ouh! Ça arrive, c'est bon. Pas trop ce que je vais faire avec eux. On peut venir lâcher une petite. Faire un passage, lâcher un boulet, mais bon. De minuit, attention ici, attention ici. Et soigner. Et on va faire monter d'autres gars. Il y a besoin. Besoin de donner un petit coup de main. Je vais les attaquer, mais je vais les attaquer en manuel ceux-là. Voir ce que ça va donner. Là ça monte, les portes sont détruites. Alors les portes détruites, on va voir qui est de l'autre côté, mais il n'y a pas de lancier apparemment. Il n'y a pas d'anti-large. On va envoyer nos deux stégadons. Tranquillement. Avec lui. voilà. On va les rentrer aussi autant que possible. Mazdamundi va aussi rentrer. Il est quand même sur un Stégadon maintenant, hein, et c'est quand même pas mal. On va essayer d'infiltrer la cavalerie. Aussi, on va rentrer à fond. Ça fouille, on peut mettre le héros là-bas. Alors ceux-là sont fort blessés mais ils se battent plus, alors ce qu'on peut faire c'est leur faire ceci. Ils se battent plus ou quasiment plus, donc un petit soin. Oh, les monteurs là ils prennent un peu cher là. À moins qu'ils aient commencé le combat un peu blessé, je sais plus. Waouh. On va enlever les Terradons du combat, je n'ai pas envie qu'ils se fassent détruire. Là ça gagne. Ici on a pris les murs sans aucun souci. Pas encore tout à fait fini là, mais il n'y en a plus pour longtemps. Allez, les Stégadons ils peuvent passer à travers tout a priori. Ok. On va avancer sur la place. Bon, il y a pas mal d'archers encore qui sont là, mais c'est vraiment pas un problème. C'est pas grave, ils poursuivent, mais c'est pas dérangeant. Eux qui ont un peu du mal. Ils étaient un peu tout seuls en fait. J'ai amené les renforts, ça va aller. Pas rester là à rien faire les gars. Il y a des ennemis à 5 mètres d'eux, ils bougent pas quoi. Ok, tout va bien. On va aller voir comment ça se passe là-bas. C'est bon, c'est gagné. Ah cool, plutôt sympa l'assaut je trouve. Victoire décisive. Waouh, un beau butin. Je crois que je vais simplement occuper, j'aimerais bien, on a déjà eu beaucoup de butin. J'aimerais bien avancer sur la suite après. Voilà, plus 20 de réserve de puissance, ça va faire du bien. On va lancer les sorts en boucle. À Pawax, je sais pas trop ce que je vais faire. Franchement, recruter des skinks ici me servira à rien. Je compte pas faire la guerre avec les humains pour l'instant. On va se focaliser sur les hommes lézards. Je vais démolir ce bâtiment, on fera autre chose. L'ordre public, ça va. C'est grâce à la présence militaire. On va rester un petit peu ici. Ok. Mon héros donne quand même 40 unités par tour en plus. 100 pour les prisonniers. On a aussi le rituel qui est en cours, je pense. Ok, on va se quitter là pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous a plu et moi ça m'a vraiment beaucoup plu. Je vous l'ai dit, je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer cette campagne. On progresse bien au niveau territorial. On va devoir scinder un peu le territoire, le temps, parce que finalement les humains, je suis pas sûr, je vais les détruire. Pourquoi le faire? Ils ont été des alliés valables depuis le début, ils me causent pas de problème. On va voir. On va essayer de prendre ces territoires-ci. Et il faudra que je fasse une province qui soit productrice d'unités pour la suite. Sûr. Donc Maz va aller par ici en fait. Hein. Aider les alliés à se défendre. Tandis que Kroq-Gar va gérer ici et va essayer de défendre le deuxième rituel. A priori on verra, mais c'est le plan globalement. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous.